Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission de sécurité routière. Nous nous trouvons cette semaine dans la wilaya de Aïn Defla, où nous avons visité de nombreux chantiers qui devront fluidifier la circulation routière et diminuer les accidents de la route dans cette ville. Attachez vos ceintures, c'est parti. Sur une distance de 57 km, la ligne ferroviaire qui relie l'Afron dans la wilaya de Blida à Khmis Mliana dans la wilaya de Aïn Defla devra rentrer en service d'ici fin 2024. Un projet d'envergure qui compte 13 ouvrages d'art, dont un tunnel de plus de 7 km, le plus long en Afrique. Reportage. Après des années de travaux, la livraison de la ligne ferroviaire reliant l'Afron à Khmis Mliana devra intervenir avant fin 2024. Ce projet, qui a connu de nombreuses contraintes, verra enfin le bout du tunnel. Ce tronçon de ligne, il s'inscrit d'abord s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la rocade ferroviaire nord. Est-Ouest, plus précisément sur la ligne AG-Oran. Ce projet enregistre actuellement un taux d'avancement très appréciable, environ 92%. Il prend licence à la gare de l'Afron à l'Est et il suit pratiquement le couloir et le corridor de la ligne existante pratiquement sur 30 km jusqu'à Hosseinia avant de quitter la ligne existante sur un nouveau couloir carrément. Il ne faut pas oublier que ce projet, de par son linéaire, il est de 60 km, mais il est beaucoup plus gros par le genre d'infrastructure qu'on réalise, à savoir déjà qu'on a un tunnel qui fait 2 fois 7,5 km avec tous les problèmes afférents à ces infrastructures. Donc le taux effectivement de 92% est très bien avancé. Lancés en 2011, les travaux de construction ont dû être reportés à plusieurs reprises, en raison de la topographie et de la géologie difficile du terrain. Lors d'une visite du chantier, en compagnie de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires à Nesrif, nous avons constaté un avancement considérable dans les travaux. Il comprend la réalisation de 5 gares ferroviaires, la gare de Wadjar, la gare de Boumedfa, la gare de Hosseinia, à Khmis Mliana, une autre gare, et enfin, en fin de parcours, la gare de Sidi Lakhdar. Ces gares sont des gares modernisées de standards internationaux qui prévoient toutes les commodités pour les voyageurs et l'accessibilité à toute frange de la société, y compris les PMR, les personnes à mobilité réduite. C'est pour ça que nous avons projeté des ouvrages beaucoup plus souterrains pour permettre à tout le monde d'y accéder. La société chinoise China Civil Engineering Construction Corporation, CCECC, en charge de la réalisation du projet, rassure sur le respect des délais de livraison. CCECC, avec ses partenaires algériens, turcs et français, ne cache pas leur satisfaction quant à la réalisation du deuxième plus long tunnel ferroviaire du continent africain. Le tunnel Gantaz est composé de 2 tubes indépendants de 7,3 km chacun. En ce qui concerne les ouvrages d'art, le projet il est marqué beaucoup plus par un tunnel B-tube au niveau de Gantaz, commune de Ain Sultan. C'est un tunnel de 7,3 km de fois, ça veut dire en B-tube. Dans le génie civil, les travaux de génie civil sont terminés. Il manque que les équipements de sécurité des tunnels pour pouvoir l'exploiter. Il y a 2 tunnels. Il y a un tunnel qui a 2 fois 7 km, 7,5 km, et un autre tunnel qui fait 3 km.
Donc le taux d'avancement pour ces deux tunnels en termes de génie civil et de creusement est à 100%. Ils sont finis. Ce qui nous reste à faire, c'est pratiquement toutes les installations de sécurité, les équipements de sécurité à l'intérieur des tunnels. Donc ça, c'est un petit peu un volet un petit peu spécifique qui demande vraiment de l'expertise. Donc on se fait aider par nos experts un petit peu en France et pour valider toutes les études et tout, parce que c'est beaucoup plus des opérations d'acquisition d'équipements de sécurité. Ce tronçon de ligne qui relie la gare de l'Afroun à la gare de Wajor sur une longueur totale de 56,7 km et pouvant assurer une vitesse de 160 km/h devra améliorer le service ferroviaire. Une fois mise en service, cette ligne ferroviaire qui dessert le côté ouest du pays devra ainsi soulager le trafic sur l'autoroute est-ouest. Étant situé sur la rocade ferroviaire nord et dans la grande ligne Alger-Oran, qui est très fréquente et dans le besoin en transport voyageurs et fret grandissant de jour en jour, d'année en année. Donc il devient impératif de moderniser cette ligne et doubler de cette ligne avec la rectification du tracé pour augmenter la vitesse à 160. Donc nous avons corrigé le tracé et augmenté le rayon afin d'augmenter la vitesse de circulation 160. Et pour, du coup, on va augmenter la capacité de la ligne en transport voyageurs et en transport fret. D'importants projets au profit du secteur ferroviaire seront réceptionnés au courant de l'année 2024. Il s'agit de l'achèvement et de la livraison de 768 km de lignes ferroviaires. Ces projets visent à développer davantage cet important segment en vue de faciliter le déplacement des personnes et le transport des marchandises. La wilaya de Aïn Defla compte plusieurs points noirs qui enregistrent un lourd bilan d'accidents de la route. Notre équipe a accompagné une brigade de la gendarmerie nationale au lieu dit Boumetfa lors d'une campagne de sensibilisation. Regardez. Qui ne se rappelle pas du fameux accident de Aïn Defla en 2021? Un carambolage entre 34 véhicules sur l'autoroute est-ouest, précisément à Ouled El Mehdi, à Al-Husseinia. Un accident qui a fait 8 blessés. La wilaya de Aïn Defla compte plusieurs points noirs sur l'autoroute est-ouest, dans lesquels de nombreux accidents sont enregistrés annuellement. Ici, au lieu dit Ouled El Mehdi, une descente des plus dangereuses, des dizaines de personnes y ont trouvé la mort. Malgré la présence des plaques de signalisation, certains chauffeurs ne respectent pas la limitation de vitesse et usent du champignon. Deuxième point noir, Boumetfa à Khmis Meliana, un endroit que la brigade de gendarmerie nationale de la wilaya de Aïn Defla a choisi pour organiser une campagne de sensibilisation au profit des usagers de la route. المميتة والجسمانية منها نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين دفلة حملة تحسيسية فيما يخص هذه الظاهرة وتزايدها لذا يجب عليكم التحلي بقواعد سياقة سليمة ومنها تخفيض السرعة عدم تغافل الإنسان كي يحس روحه تعب حاجة لازم عليه يأخذ قسط من الراحة. Organisées avec la société civile, associations, protection civile et auto-école, ces campagnes de sensibilisation visent à réduire l'hécatombe routière dans cette ville du centre-ouest du pays. نظمت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين دفلا بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين والهيئات الفاعلة في ميدان السلامة المرورية حملة تحسيسية تتضمن مجموعة من النشاطات. Cette campagne de sensibilisation vise à sensibiliser les conducteurs et les inciter à adopter les règles de bonne conduite. Avec nos partenaires, nous menons une réflexion pour trouver des solutions au terrorisme routier ainsi que les points noirs. Et pour dissuader les chauffeurs, des moyens matériels sont utilisés par nos services. Nous mettons également à la disposition des usagers de la route le numéro vert 1055 pour alerter sur tout mauvais comportement sur nos routes.
والسياقة تحت تأثير تعب أو عوامل الإهلاء. Le choix de ce lieu pour organiser cette campagne de sensibilisation n'est pas fortuit. Boumedfa et Ouled El Mahdi sont des endroits dans lesquels de nombreux accidents mortels sont enregistrés régulièrement. La cause est le non-respect des règles de bonne conduite par les chauffeurs, notamment les poids lourds. باحترام قواعد السياقة السليمة احترام السرعات المحددة وخاصة في المنخفضات. Interrogé sur les raisons qui mènent aux accidents, notamment à Ouled El Mahdi et Boumedfa, les chauffeurs de bus et véhicules légers s'accordent à dire que c'est la vitesse qui en est la première cause. بالنسبة للسواق احنا ماذا بينا يسوقوا بحذر ويتحمل مسؤوليته مادام راه عنده اولاد راه مسؤول. ومسؤول على الفواياجور اللي مي حتى الطريق والظروف المناخيه تلعب دور كبير سيرتو المقطع هذا تاع نقولوا بيرتوتا البومدفع بون والله خميس مليانه بو راشد الطريق محفره كاين دي فوا وين المركبات الثقيله يهربوا من الحفر يسرى اكسيدون لا فيتاس ماشي مليحه لا فيتاس تدي للموت لا فيتاس بصح حنا ملي ولا الراده ولينا نخافوا لا فيتاس ولاش نجرو وهذا الطريق هذا واعر بزاف انا عندي شي 100 يجوزوا منا راه في العام من ذاك يتقلب لي واحد من ذاك شوافر يديروا لي لي زاكسيدون هذا لازم كيما يقولوا حير لازم الحذر بزاف في الطريق هذا واعر بزاف لازم تخفيض السرعه في المحاذره سيرتو اصحاب الشاحنات كاين السائقين ما يحترموش المنحدر يحضر بسرعه فائقه ومن بعد ما يروحوا له فرانات ما يسيبش ما يقدرش يتحكم في الشاحنه تاعو نورمالمون في المنحدر تحضر على الاقل 30 30 بنسبه كبيره على الاقل 30 Depuis le début de l'année en cours, les services de la gendarmerie nationale de la wilaya de Ain Defla ont enregistré 87 accidents de la circulation, dont 22 accidents mortels qui ont causé 32 morts et 131 blessés. C'est la fin de cette émission spéciale Ain Defla. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également la wilaya de Ain Defla pour son chaleureux accueil ainsi que l'équipe technique qui m'a accompagnée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour d'autres thématiques. Bonne soirée.